Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Si vous êtes ici, si vous nous rejoignez, c'est que vous êtes intéressé par les études de droit. Nous allons en parler pendant le quart d'heure qui est devant nous avec nos deux invités, Anne-Sophie Lebray, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en droit et responsable de la première année de licence à la faculté de droit de l'Université de Nantes. Et d'Orsaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année de master. Ouais. En droit. Vous allez nous détailler exactement ce que vous faites. Nous allons parler avec vous, je vous le disais, de cette nouvelle discipline qui est le droit, qu'on ne connaît pas nécessairement quand on est en terminale et qui peut susciter beaucoup de représentations. Alors, Anne-Sophie Lebray, ma première question, elle est très directe. Hein, le droit, qu'est-ce que c'est cette nouvelle matière ? Alors, le droit, il est partout autour de vous. C'est l'achat de votre baguette de pain à la boulangerie, vous passez un contrat de vente, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un contrat, c'est du droit. Mmh. Donc c'est-à-dire ça n'est pas finalement inatteignable, ça n'est pas forcément institutionnel, ça n'est pas forcément cette notion qui peut paraître intimidante dès le départ, c'est quelque chose, on vit dedans sans s'en rendre compte. C'est du quotidien, c'est du tous les jours, c'est vraiment... Les courses au supermarché, le ticket de bus quand on monte dans le bus, on passe un contrat de transport quand on achète un billet de train, c'est vraiment du quotidien. Mmh. Quels sont les grands champs d'activité du droit, les grands domaines de cette discipline ? Alors, on commence avec une grande distinction qui est celle du droit privé, donc qui concerne les relations entre individus, entre particuliers, notamment les relations familiales, et le droit public qui concerne les institutions de l'État, les collectivités territoriales et donc leurs relations entre elles et à l'égard de leurs administrés. Droit privé, droit public, c'est les deux premières catégories, grandes catégories qu'on peut dresser. C'est la grande distinction effectivement qu'on opère en droit. C'est une summa divisio, la division la plus importante au sein du droit. Avec un peu de latin dedans quand même au début qui fait du bien. Toujours, toujours, toujours. Est-ce qu'on pourra faire des études de droit sans connaître le latin ? Oui, bien sûr, puisque ça fait toujours plaisir à un enseignant de donner un adage en latin. C'est toujours plus joli, mais on donne toujours la traduction. Il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas fait de latin. Il n'y aura aucun problème à suivre les études de droit. Droit privé, droit public. Est-ce qu'on peut ensuite continuer à spécialiser ou pour l'instant, on s'arrête là ? Non, on peut continuer à se spécialiser. Au sein du droit privé, on va avoir le droit civil. Donc, pour le droit de la famille, le droit des contrats, les régimes matrimoniaux. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est le contrat de mariage quand on se marie, notamment. On peut avoir le droit des sociétés, le droit commercial, le droit des affaires. Donc, c'est une autre spécialisation. On a aussi le droit pénal. Donc, il y a plusieurs distinctions au sein du droit privé, comme on va avoir plusieurs distinctions au sein du droit public. Très bien. Et au sein du droit public, je me tourne vers d'Orsaf, puisque vous êtes en deuxième année de master en droit des collectivités territoriales. C'est du droit public. Quelles sont les spécialités du droit public ? Ce qui va être très intéressant en droit public, c'est qu'on va aussi partir sur du droit international, donc les relations entre les États. On va avoir du droit de l'Union européenne, par exemple, aussi. Donc vraiment la relation entre la France, mais aussi les usagers en France avec l'Union européenne. Donc quelque chose qui peut nous paraître très éloigné, et pourtant c'est super intéressant comme matière. On va avoir du droit public général, donc vraiment étudier la Constitution, ce genre de choses. Et sinon, moi, par exemple, je suis en droit des collectivités territoriales. Et donc moi, je vais plutôt m'intéresser aux relations avec la mairie, avec le département, avec la région, ce genre de choses. Et pendant que d'autres vont s'occuper des finances publiques. C'est vraiment un pan très vaste, comme pour le droit privé. Ça a l'air vraiment immense. Est-ce que pour nous donner plus facilement une idée de ce que l'on pourra faire après les études, Anne-Sophie Lebray, vous pouvez nous décrire le paysage des métiers, des débouchés, des études de droit ? Alors, il y a énormément de débouchés pour les études de droit. Il y a d'abord les métiers très connus, magistrat, avocat, huissier de justice, notaire, greffier, donc tous les métiers des acteurs de la justice. Il y a aussi des métiers plus tournés vers le droit public, dans les attachés de l'administration territoriale, par exemple, ou au service des impôts. Donc, il y a vraiment des métiers divers. Il y en a d'autres qui se tournent aussi vers le journalisme après des études de droit. Plus vers la science politique aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés. Vous avez aussi beaucoup d'étudiants qui deviennent juristes en entreprise et qui sont donc amenés à défendre, protéger, surveiller les contrats de leur employeur, de l'entreprise ou de la collectivité qui les emploie.
En droit public, vous nous donnez, d'Orsaf, des exemples de métiers, même si vous avez commencé à nous en donner via des spécialités. Quels métiers on pourra faire en fonction de ces spécialités? Alors, par exemple, moi, j'ai des amis là qui vont se spécialiser dans du droit des contrats publics. Donc, c'est elles qui vont rédiger tous les contrats des collectivités territoriales. Donc, vraiment des choses, par exemple, on va refaire la route, il nous faut un prestataire qui va venir la faire, la route, et donc, faut qu'on fasse le contrat. Donc, il y a ça. Il y en a qui vont peut-être s'occuper des ressources humaines aussi. Donc, c'est vraiment très large. Il y en a d'autres qui vont peut-être aider le maire dans son cabinet en devenant directeur général des services. Donc, c'est vraiment un pan très, très large. Et pour les métiers, pour le coup, même quand on arrive en Master 2, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités. Et c'est aussi ça qui est bien dans le droit, donc pas trop se fermer de porte dès le début. Allez, voilà pour les débouchés, les spécialités. Maintenant, Anne-Sophie Lebré, je suis en terminale, je veux m'inscrire en études de droit à l'Université de Nantes. Comment je fais? Alors, il faut remplir votre dossier sur Parcoursup, donc bien respecter les délais, et surtout remplir le questionnaire d'auto-évaluation. Donc, ça prend la forme d'un petit texte avec des notions juridiques et des questions de compréhension. Ça vous permet de voir si les études de droit vont vous intéresser ou non. Donc, c'est une bonne technique pour affiner votre orientation et être sûr de votre choix. Alors, une fois que l'inscription s'est faite sur Parcoursup, quelle est la suite pour le lycéen? Alors, vous attendez la réponse et il faut attendre sans inquiétude puisque on accepte tout le monde. Donc, attendez que les places défilent et vous aurez votre réponse qui va apparaître. Si vous habitez en Vendée, donc dans le 85, pas d'inquiétude, vous serez orienté vers La Roche-sur-Yon, votre place est réservée. Et ceux qui habitent en Loire-Atlantique, vous aurez une place sur le site de Nantes. Très bien. Et une fois qu'on a rempli ce questionnaire, on obtient un résultat, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat, de ce positionnement? Alors, vous allez obtenir soit un oui, soit un oui-si. Si vous obtenez un oui-si, pas de panique, au contraire, le oui-si, ça veut dire que vous allez pouvoir vous inscrire en parcours accompagné et vous allez bénéficier d'un accompagnement plus spécifique, plus individualisé. Autrement dit, c'est une chance. Il ne faut pas le voir comme une sanction, il faut le voir comme une chance. Donc oui, je suis pris. Oui, je suis pris si, ça c'est la deuxième possibilité. Si je suis un module supplémentaire, exactement. D'accord, qui se déroule toute l'année? Toute l'année, alors c'est des enseignements de méthodologie, de l'accompagnement méthodologique, de l'accompagnement individualisé aussi avec des entretiens pour voir comment ça se passe pour l'étudiant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider un petit peu plus. Donc et ça se déroule tout au long du premier semestre et du second semestre. Chaque année, combien d'étudiants accueillez-vous en première année? Alors en première année, sur le site de Nantes, on accueille environ 850 primo-entrants. Et on a également une antenne à La Roche-sur-Yon, où on accueille environ 140 à 150 primo-entrants. Donc primo-entrants, c'est la première fois qu'ils s'inscrivent. Tout à fait. S'additionnent les éventuels redoublants? S'additionnent les éventuels redoublants. Donc après, en L1, on a à peu près 900 à 950 étudiants inscrits sur Nantes. Et sur La Roche-sur-Yon, on tourne aux alentours de 160-170. Comment vont se dérouler les cours? Qu'est-ce que le lycéen qui nous écoute peut savoir des contenus des cours et puis du rythme de ces cours? À quoi s'attendre? Il faut attendre environ à 20 à 24 heures de cours par semaine. Ces cours, ils prennent la forme de cours magistraux, donc en amphithéâtre, et de travaux dirigés. Autrement dit, travaux dirigés, ça vous paraîtra comme le lycée. C'est une petite salle de classe de 30-35 étudiants avec un chargé de travaux dirigés qui va accompagner les étudiants pour certaines matières tout au long d'un semestre. Pour le contenu des cours, la licence, c'est 3 années de façon progressive. La première année, c'est une année de transition, une année de découverte, une année où on fait l'acquisition de la méthodologie, du vocabulaire. La deuxième année, c'est une année un peu plus décisive, avec un tronc commun, un socle de compétences que doivent acquérir en fait tous les étudiants pour la spécialisation qui commence en troisième année. On va en parler de la spécialisation et après de la poursuite d'études, mais je voudrais qu'on reste pour le moment sur cette première année. Vous, d'Orsaf, quand vous êtes arrivé de la terminale dans cette première année, qu'est-ce qui vous a d'abord surprise? Vraiment, ma plus grande surprise, c'est les amphithéâtres. On s'en fait toute une idée en même temps quand on est au lycée. On se dit, waouh, on va arriver à la fac, un amphithéâtre, c'est énorme et tout ça. Et pour le coup, on s'y habitue très vite. Et c'est ce qui est bien aussi quand on arrive à la fac, c'est qu'on trouve vite ses repères. Est-ce qu'il y a autant d'étudiants toute l'année?
tout dépend de comment est-ce qu'on travaille, si on se sent de venir assister au cours pendant 2 heures, écouter le professeur, ou d'autres qui vont se rendre compte que ça ne leur plaît pas aussi. Et c'est vraiment ça la grosse question quand on arrive en droit. On ne connaît pas très bien le droit quand on est au lycée, et quand on arrive en première année, on peut très vite déchanter, et c'est un des gros écueils que j'ai vu parmi mes camarades quand je suis arrivée en première année. On déchante parce que c'est différent de ce à quoi on s'attend. Bah parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui pensent en arrivant en première année qu'on va faire du droit pénal, qu'on va étudier des crimes, qu'on va être dans une série comme How to Get Away with a Murder. Par exemple, ma petite sœur en terminale actuellement regarde cette série et pense que c'est exactement ce qui se passe à la faculté, alors qu'en première année, c'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, on va apprendre les bases. Le droit pénal, c'est une branche qui est assez spécialisée, et avant de pouvoir attaquer ça, il faut apprendre les bases du droit, et c'est des choses qu'on n'anticipe pas forcément quand on est en terminale. Mmh. Anne-Sophie Lebray, vous partagez cette opinion ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'imaginent que le droit, c'est les grandes plaidoiries, comme à la télé, et quand ils arrivent et qu'ils se retrouvent à étudier les règles de droit, d'où vient le droit, bah, là, effectivement, ils déchantent un petit peu, mais c'est une base qui est nécessaire ensuite pour pouvoir atteindre le droit pénal. Et les spécialités qui nous intéressent. Et les spécialisations, tout à fait. Quels sont vos conseils de travail, d'organisation personnelle ? Alors, il faut commencer à travailler dès le début et pas se dire oh, « c'est bon, j'ai 15 jours, 3 semaines devant moi pour découvrir le campus ». Oui, il faut découvrir le campus, il faut avoir une vie étudiante, mais il faut aussi commencer à travailler tout de suite et bien organiser son travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail personnel. Donc, moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est de vraiment travailler de 8h30, 9h le matin jusqu'à 18h30 le soir. Et puis après, de lâcher prise et de penser toujours à se détendre aussi pendant le week-end. C'est très important de ménager eh bien, le temps de travail où on essaye de travailler efficacement et le temps de détente qui est aussi important dans la vie étudiante. Hmm. Les études de droit sont-elles des années de lecture et d'écriture ? C'est une réputation qui suit ces études. Va-t-on avoir mal au poignet à force d'écrire ? Bah non, mal aux yeux à force de lire. On tape à l'ordinateur. Mais ça fait mal au poignet parce que ça casse le poignet quand même. Les étudiants écrivent nécessairement parce que dans les métiers du droit, ce sont des métiers qui nécessitent d'écrire les conclusions de l'avocat, la rédaction du jugement par un magistrat. Ce sont des métiers qui nécessitent des qualités rédactionnelles. Et donc, les étudiants, bien sûr, qu'ils ont des devoirs écrits dans leur préparation chaque semaine. Donc oui, ils écrivent encore beaucoup. Oui, ils lisent encore beaucoup. La spécialisation se passe comment par la suite ? Vous disiez, c'est à partir de la troisième année. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour la spécialisation parce que durant la première et la deuxième année, on découvre les principales branches du droit. Donc, on va commencer à découvrir le droit public, le droit privé, certaines spécialisations du droit privé, de manière à ce que quand les étudiants arrivent en fin de deuxième année, ils savent déjà vers quel parcours de L3 ils veulent s'orienter. La faculté de Nantes a plusieurs parcours de L3, de licence 3, troisième année, soit du droit judiciaire, donc de la procédure, soit du droit pénal, soit du droit civil, soit du droit public, soit du droit des affaires. Et généralement, quand vous arrivez en fin de deuxième année, vous savez les matières qui ne vous ont pas plu et celles avec lesquelles vous avez plus accroché. Donc la spécialisation, j'ai envie de dire, elle se fait assez naturellement. Comment ça s'est passé pour vous, Dorsaf, la spécialisation ? Pour moi, la spécialisation, dès ma deuxième année, enfin déjà dès la première année, on commence à voir qu'on a des petites appétences pour certaines matières. Et arrivant en deuxième année, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, étudier des particularités pour chaque matière. Et donc, on commence à connaître un peu mieux, on apprivoise mieux la matière, on apprivoise mieux le droit. Et moi, je sais qu'en deuxième année, je savais déjà que j'allais aller en droit public parce que c'était des matières qui m'intéressaient déjà énormément. Et puis, pour mes amis, c'était pareil. Enfin, ils savaient à peu près où est-ce qu'ils allaient, ça, c'était sûr. Enfin, dès la deuxième année, on voit à peu près où est-ce qu'on va et ça se fait naturellement en troisième année, pour le coup. Et puis après, le choix du master pour vous. Mm-hmm. Comment s'est fait ce choix de master des collectivités territoriales, en droit des collectivités territoriales ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu la chance de faire un master 1 droit public. En première année de master. Ouais. Donc, je me suis laissé un petit peu de temps encore pour choisir. Généralement, c'est ce qui se passe. Généralement, on a encore un master 1 un peu général, sauf si on veut vraiment un master très spécialisé hein, et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire. On peut décider de faire un master 1 très spécialisé. Sinon, généralement, le master 1 nous permet de mieux savoir, parce que par exemple, du droit public, oui, mais il y en a qui vont partir en droit international, il y en a qui vont partir en droit des collectivités territoriales, il y en a qui vont partir en droit des affaires. Donc, rien que ça, on ne sait pas trop exactement à ce moment-là. Et donc,
C'est vraiment au fur et à mesure. On tire un fil et puis après on découvre quelque chose et on se dit ah ça m'intéresse et donc du coup on va dans cette direction-là et puis après on se dit ah ça m'intéresse. Et c'est vraiment quelque chose qu'on construit au fur et à mesure. Moi de ma licence, première année de licence jusqu'à maintenant, je me rends compte que j'ai avancé au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai pu étudier. Le projet professionnel pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est ça aussi une des particularités du droit, c'est que même moi en Master 2, là j'ai plusieurs idées de projets. Je vais sûrement passer des concours administratifs, donc je sais qu'au lycée on ne pense pas forcément à ça au début. Ce que je voudrais, c'est vraiment travailler en collectivité territoriale et donc épauler le maire ou alors le président du département ou du conseil régional. Donc ça pour le coup on verra, mais moi je suis très intéressée par les finances publiques. Mais dans tous les cas, les terminales, ouais, voilà. Les terminales, vous inquiétez pas pour ça. Vous trouverez très vite après ce qui vous plaira. Il n'y a pas de souci. Anne-Sophie Lebray, les études de droit sont-elles nécessairement des études longues ? Non, pas nécessairement. Il y a des concours qui peuvent se passer dès l'obtention d'une licence, donc dès la troisième année. Alors des concours pour intégrer des écoles, notamment de magistrature ? Alors non, parce que la magistrature, il faut avoir un bac plus 4, donc il faudra au moins atteindre le master 1, comme pour le concours d'avocat, donc les concours les plus connus. Par contre, vous pouvez passer des concours dans la police pour être lieutenant de police, vous pouvez passer les concours de greffier. Donc il y a des concours, il y a des concours aussi dans l'administration au bout de la licence. Donc il ne faut pas nécessairement penser que les études de droit, on en prend pour 5 ans. Non, ça peut être que 3 ans. Il y a des licences aussi professionnelles à l'université, notamment pour être assistant notaire, par exemple. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ces études de droit. Et puis maintenant, c'est à vous de choisir. Merci beaucoup.